Après plus de 31 000 morts et l'utilisation de trois vétos, Washington propose désormais une résolution de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Au cours de sa sixième tournée au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a fait savoir que les États-Unis allaient donc proposer un projet de résolution de cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Une proposition qui intervient après notamment trois vétos de Washington aux Nations Unies et plus de 31 000 morts dans l'enclave palestinienne. Qu'est-ce qui pourrait donc éventuellement justifier ce changement de posture des États-Unis? À quoi renvoie ce projet de résolution dont parle le chef de la diplomatie américaine? Nous apportons des éléments de réponse à ces interrogations ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Et puis en deuxième partie, alors que la République démocratique du Congo a boycotté la célébration de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2024, l'Organisation internationale de la francophonie pourrait subir un nouveau revers. À en croire le ministre congolais de la communication, les autorités congolaises sont passées, ou du moins sont lassées de l'attitude ambiguë de l'OIF dans le conflit qui sévit à l'est du pays. Pour Patrick Mouyaya, l'option de quitter la francophonie n'est pas à exclure. Simple effet d'annonce ou alors stratégie de communication que peuvent bien espérer les autorités congolaises venant de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous en parlons également ce soir, car de façon générale, il est reproché à l'OIF d'entretenir une position ambiguë vis-à-vis du Rwanda, parlant justement de la crise sécuritaire qui secoue et qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Vous nous suivez bien sûr en direct à la télévision, en relais sur la 96.3 FM. Vous nous prenez également sur nos différentes plateformes numériques ou encore Facebook, je veux dire Facebook ou encore YouTube. Ce soir, dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, nous reviendrons sur ce projet de résolution introduit donc par les États-Unis auprès des Nations Unies, un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne du côté, bien sûr, de la bande de Gaza. L'information a été rendue publique, bien sûr, ce jeudi par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'occasion de son sixième déplacement du côté du Moyen-Orient. Il était précisément du côté de l'Arabie Saoudite et il s'est exprimé revenu sur les contours, justement, de ce projet de résolution. Alors, pourquoi changer de posture pour un pays qui, jusqu'ici, avait apposé à trois reprises son veto à toutes les tentatives, ou du moins sur toutes les résolutions qui avaient été introduites bien avant, exigeant bien sûr un cessez-le-feu immédiat du côté de la bande de Gaza. Que contient concrètement ce projet de résolution des États-Unis? Nous en parlons ce soir aux côtés bien sûr des autorités congolaises qui menacent de quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir à vous messieurs, les consultants permanents. André Christel Fanga, journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Vous êtes une fois de plus avec nous ce soir d'épée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Nguélé, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être encore sur votre plateau et avec celui dont vous aurez l'amabilité de présenter. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Nous avons un cheval de bataille, nous avons un combat à mener, nous avons des résolutions à prendre, nous avons une Afrique à sauver. On a des peuples opprimés de la terre, n'est-ce pas, à apporter la bonne information. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, c'est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et c'est cette vérité-là que nous sommes là pour professer, peut-être ce soit une part de vérité, peut-être n'est pas la vérité complète, mais ce qui est sûr, quand il y a déjà la vérité, ça permet d'avoir une liberté. Merci à vous, André Christel Fanga, aux côtés de Patient Parfum d'Homme. On prend la même et on recommence, messieurs. Vous êtes en politique. Bonsoir à vous, doyen, et bienvenue. Bonsoir, Baudelaine Guénin. Bonsoir, au pasteur Christel Fanga. Bonsoir à tous nos nombreux, j'allais dire millions de téléauditeurs et téléspectateurs, à nos techniciens et à toute l'Afrique libre. Merci pour cette invitation. Messieurs, parlons justement de ce projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, introduit par les États-Unis. On se croirait dans un rêve que non.
Nous sommes bien dans la réalité après avoir posé à trois reprises son veto à toute tentative de cesser le feu du côté de la bande de Gaza. Cette fois, les États-Unis prennent donc les devants. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie, Anthony Blinken. Nous prenons cet élément qui plante le décor. Dans une interview à un média saoudien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis avaient présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, appelant à une trêve dans la bande de Gaza. Le texte, a-t-il indiqué, est à présent devant le Conseil de sécurité de l'ONU et aucun vote n'est pour l'instant programmé. Anthony Blinken a fait cette déclaration en marge d'une visite dans le Royaume consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas. Le texte souligne la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle et soutient sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu, en lien avec la libération des otages encore détenus. Blinken a néanmoins souligné que les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël et son droit à se défendre, mais en même temps, il est impératif qu'ils se focalisent sur les civils qui sont en danger et qui souffrent si terriblement. Les États-Unis ont mis leur veto à plusieurs résolutions appelant à des cessez-le-feu immédiats, dont la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé mercredi au Moyen-Orient pour de nouvelles discussions sur une trêve dans la bande de Gaza où la famine guette la population palestinienne après 5 mois et demi. Voilà donc pour cet élément de la rédaction centrale For You Media Africa qui plante le décor. André-Christelle Fanga, peut-on parler d'une avancée dans la position américaine vis-à-vis de ce conflit du côté du conflit israélo-palestinien? Les États-Unis qui sont réputés être un allié de poids à Israël et qui avait au tout début, bien sûr, de la reprise des hostilités, estimé qu'Israël avait le droit de se défendre. À trois reprises, Washington a posé son veto à toute résolution introduite du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu du côté de la bande de Gaza. Alors, cette fois, quand l'initiative est prise par Washington, est-ce qu'on peut parler d'une position qui aurait avancé ou alors quelles sont pour vous les raisons qui peuvent justifier ce changement de posture, si ça en est d'ailleurs une? C'est de l'esbrouf. Vous parlez de l'esbrouf. C'est on veut dire c'est des discours. Des simples discours. Oui, ça c'est rien du tout. C'est les Américains qui sont derrière cette affaire. Ils vont continuer jusqu'à ce que, en fait, il faut gagner du temps. Et comme il y a déjà des discours discordants, n'est-ce pas, des gens qui pensent que non, cette guerre ne mérite plus d'être. Alors, il faut trouver des voies, des moyens pour essayer de gagner du temps. Mais les bombardements vont continuer et ça continue. Donc, je pense que les États-Unis... Donc, Washington n'est pas en train de prendre ses distances vis-à-vis d'Israël au regard de ce qui se passe. Non, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas séparer l'ongle et le doigt. C'est Israël et les États-Unis, c'est l'ongle et le doigt. Ils sont tous ensemble. Donc, vous ne pouvez pas séparer ça. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est juste pour gagner un peu de temps. C'est pour que les discours changent un peu et qu'on essaye de... Parce que la vérité, c'est que ce que nous voyons là, c'est la face visible de la criminalité internationale. Ce que nous voyons dans la bande de Gaza, c'est la face visible de la criminalité internationale. C'est-à-dire comment des nations peuvent être iniques dans leur façon de gérer des conflits. C'est-à-dire les États-Unis montrent à la face du monde que non, il y a ceux qui ont le droit de tuer. Il y a une catégorie de personnes, d'États, de nations, de peuples qui ont le droit de tuer. La preuve en est même les États-Unis elles-mêmes. Il y a des résolutions qui ont été prises au Conseil de sécurité, mais ils ont dit qu'ils s'en foutent du Conseil de sécurité. Ils sont allés bombarder. Ils sont allés tuer des populations. Donc, c'est un peuple de suprémacistes. C'est un peuple de gens qui pensent que c'est eux qui ont le droit de la vie et de la mort des autres. Donc, ce qu'ils font là, c'est simplement pour dire que non, bon, ok, comme il y a trop de reportages, il y a trop de bavardages autour de la question, autour de cette affaire-là, il faut que nous qui, on nous appelle le gendarme du monde, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on donne quand même
une lueur d'espoir qu'il y aura une résolution à cette crise-là, alors que c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces conflits nous montrent quand même qu'il y a déjà un déficit en matière d'armes, en matière de munitions, en matière de beaucoup de choses. Parce que les États-Unis aussi sont en train de commencent à comprendre qu'il peut avoir une confrontation directe avec la Russie. Il lui faut les munitions, il lui faut les armes, il lui faut les hommes, il lui faut des alliés. Donc il faut mettre un peu de bémol sur certains sujets. Et parce que son image est déjà galvaudée, n'est-ce pas? Son image est déjà très salie, n'est-ce pas? Bon, c'est pas les autres qui ont sali son image, hein. C'est elle-même qui a sali son image, c'est-à-dire les États-Unis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut essayer de tenir un discours qui va permettre peut-être aux commentateurs, aux analystes de dire que non, quand même, ils sont revenus à de bons sentiments. Vraiment, les États-Unis sont quand même, ils ont compris que non, ce que Israël fait dans la bande de Gaza n'est pas normal, donc ils sont revenus à de bons sentiments. Ça veut dire qu'ils comprennent les enjeux. Non! Il y a toujours un statu quo. Non, c'est un statu quo. Ça veut dire que les États-Unis maintiennent. S'il fallait prendre une décision, ils devaient l'imposer. Ils devaient dire ça s'arrête là et ça s'arrête. Mais pas dire que, bon, on va essayer de voir si on peut avoir un cessez-le-feu. Alors que le feu ne fait que tomber sur les Israéliens, sur les Palestiniens, sur la bande de Gaza. Patient parfait d'homme, sous quel prisme faudrait-il prendre justement ce projet de résolution introduit par les États-Unis auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies? On entend plusieurs versions émerger à ce sujet, ceux qui estiment que voilà, Washington serait en train de prendre ses distances vis-à-vis d'Israël, et ceux qui pensent clairement à une évolution de la position de Washington vis-à-vis de ce génocide perpétré par Israël du côté de la bande de Gaza. On rappelle qu'au mois de février dernier déjà, les États-Unis s'étaient opposés à une résolution du même genre portée par l'Algérie, réclamant bien sûr un cessez-le-feu humanitaire immédiat du côté de la bande de Gaza. Les Américains avaient déclaré négocier un texte alternatif focalisé bien sûr sur le soutien aux efforts diplomatiques sur le terrain pour aboutir à une trêve de 6 semaines en échange bien sûr de la libération des otages israéliens du côté de la bande de Gaza. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes également de ceux qui estiment que véritablement la position de Washington aurait évolué, qu'on est passé d'une trêve à un cessez-le-feu? Écoutez, je suis d'accord dans le fond avec l'analyse de Christelle Fanga. Les États-Unis, leur position n'a pas évolué. Mais les États-Unis font face à une situation qui devient de plus en plus intenable par rapport à leur position, à leur posture actuelle. Et pour cela, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Bon, les raisons les plus évidentes qu'on peut mettre sur la table, c'est que n'oublions pas que bientôt il y aura des élections aux États-Unis. Et que la question de soutien indéfectible de l'administration Biden à M. Netanyahu et au groupe sioniste qui est en train de perpétrer un génocide à Gaza pose de plus en plus de problèmes, même au sein de son propre camp. Parce qu'il risque d'être l'élément détonateur qui risque de leur faire perdre cette élection. Et vous avez écouté sa vice-présidente, Mme Kamala Harris, ça ne doit pas être balayé d'un revers de main, condamner fermement Israël et l'attitude génocidaire des dirigeants israéliens aujourd'hui. C'est passé très vite, mais ça dénote, pour ceux qui analysent ces faits-là, d'un schisme qui est de plus en plus prononcé à l'intérieur de l'administration Biden. Pourquoi? Parce que je crois que le bloc qui est derrière Mme Harris voit très bien que si on continue avec ce jusqu'au boutisme américain, avec ce soutien indéfectible à Israël, il risque de perdre les élections. Vous parlez des divisions au sein même de l'administration Biden, patient parfait d'homme. Voilà, il risque de perdre les élections. Pourquoi? Parce que vous avez en gros les pays latinos qui condamnent fermement ce génocide que commet Israël au niveau de la bande de Gaza, mais aussi même en Cisjordanie. Je vous rappelle
que nous sommes déjà passés au-delà des armes, au-delà des bombardements, même nous sommes arrivés au niveau d'une famine organisée, pensée et imposée par Israël par le biais d'un blocus. Nous avons des images des enfants, des bébés qui sont morts de famine. C'est quelque chose de terrible, même pour l'histoire juive en général. Premièrement. Donc, il y a donc cette composante latino qui est le deuxième grand groupe de population aux États-Unis qui, de plus en plus, regarde cette administration de manière bizarre, d'autant plus que leurs administrations dans leur pays d'origine condamnent fermement cette guerre-là. La deuxième partie composante sociologique américaine, ce sont les Noirs, on peut les appeler comme ça en gros, qui étaient souvent tentés de voter démocrate, même si souvent cela ne leur apportait pas beaucoup de bonheur. Mais là, avec ce qui se passe à Gaza, les Noirs sont en train de revoir en réalité ce qu'eux-mêmes ils ont subi aux États-Unis dans le cadre de l'apartheid qui leur a été imposé aux États-Unis. Et l'attitude de l'Afrique du Sud tend à faire à produire un basculement de l'opinion des Afro-Américains dans le camp de la condamnation ferme contre Israël. Donc, Israël a perdu stratégiquement cette guerre. Oui. Et elle risque d'entraîner le groupe Biden dans sa chute, n'est-ce pas, en s'entêtant à continuer à créer les conditions de ce qui nous a été présenté par l'histoire comme le crime ultime, c'est-à-dire la Shoah, qui consistait non seulement à tuer les gens, les fours crématoires, les ghettos de Varsovie, les privations, l'Holocauste et tout ce qui va avec. Ils sont en train de reproduire presque exactement tout ce qui était rejeté par la conscience de l'humanité sur le peuple palestinien. Et ça, ça ne peut pas durer très, très longtemps. Alors il y a aussi, il faut prendre ça à leur compte, comment dire ça, en compte, les arguments de Christelle. Mais les sous à munitions, si je peux parler comme ça de manière triviale, américaines ne sont pas... ne sont pas indéfinis. Ils donnent à l'Ukraine, ils donnent, c'est eux qui donnent les bombes qui tuent les petits-enfants palestiniens, mais ça va durer jusqu'à quand? Parce qu'on a l'impression que un certain nombre de faucons de la droite libertaire, n'est-ce pas, les wokistes américains, poussent les pays occidentaux à aller à une confrontation directe avec la Russie. C'est l'attitude de M. Macron. Il faut bien analyser ça. Ils vont prendre les munitions. Leur arsenal n'est pas un puissant fond. Oui. Donc, ils commencent à réfléchir en se disant la Russie est en économie de guerre. La Chine, visiblement, envoie des signaux pour dire que s'il y a des troupes au sol au niveau de l'Ukraine, elle ne va pas rester les bras croisés des troupes occidentales. Donc, elle risque de rentrer dans la danse. Qu'est-ce qui peut se produire s'il y a une véritable confrontation entre l'Occident et ce bloc-là? Donc, de ce côté aussi, les analystes essaient de dire à M. Biden, attention, attention, ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Mais maintenant, ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est que les Américains qui étaient considérés encore hier comme les gendarmes du monde se retrouvent aujourd'hui dans une position de complice d'un génocide, d'une violence, d'une laideur et d'une hideur que la conscience humaine ne peut pas supporter très longtemps. Même au sein des opinions occidentales, il y a des voix qui s'élèvent pour dire nous ne pouvons pas accepter indéfiniment ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, en Palestine, ce qu'on fait subir aux Palestiniens, et arrêter de nous dire que c'est un mouvement islamiste, c'est un mouvement de résistance, parce que c'est tout à fait logique et normal qu'un peuple puisse avoir un mouvement de résistance qui résiste, n'est-ce pas, à son anéantissement. Mais est-ce qu'au regard de tous ces éléments que vous avez cités, Patient Parfendom, il y a effectivement des chances que ce projet de résolution aboutisse auprès du Conseil de sécurité, puisque les États-Unis appellent d'ailleurs tous les autres membres aujourd'hui à soutenir massivement ce projet appelant à un cessez-le-feu aujourd'hui. Est-ce qu'au regard de tous ces éléments que vous avez cités, il y a tout de même cet espoir-là, aussi infime soit-il?
Merci de la question, évidemment. Mais vous connaissez le côté perfide des États-Unis. Il faut d'abord voir ce qu'il y a dans le fond, dans cette résolution-là. Dans la résolution, il y a une exigence bien précise que les États-Unis posent sur la table. Il faudrait que le Hamas libère tous les otages et tous les détenus israéliens. Ça veut dire qu'on n'est pas... C'est l'une des conditions, la principale condition d'ailleurs contenue dans ce projet de résolution. Vous voyez donc qu'on n'est pas sorti de l'ornière. Vous voyez, nous sommes là en plein, dans un coup, n'est-ce pas, organisé par les États-Unis pour donner l'impression, n'est-ce pas, de se rattraper, d'enfin prendre la mesure du drame humain qui est en train de se produire. Oui. Mais dans le fond, c'est une opération qui consiste à mettre la pression sur le Hamas pour libérer les otages. Alors, si le Hamas libère les otages aujourd'hui, ils ont quoi encore comme monnaie d'échange dans une future négociation dans le cadre de cette négociation globale et internationale avec Israël. Entre-temps, Israël, lui, rien ne l'empêche, comme le dit, l'a dit Christelle tout à l'heure, de continuer à bombarder les Palestiniens, à tuer d'abord depuis la réprobation internationale. Ils continuent de tuer. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont rien qui les empêche de continuer à commettre ces massacres. Mais alors, plus grave encore, quand ils seront sûrs que leurs otages ont été libérés, je peux vous dire que ça va être vraiment une vitrine. Comment on dit ça, détruire complètement la bande de Gaza. Quand j'écoute des ministres israéliens, eux-mêmes disent qu'un enfant palestinien à partir de 12 ans est forcément complice du Hamas. Ça veut dire qu'on peut le tuer, c'est tout à fait logique. Et il est toujours dans le gouvernement israélien. Quand je cours les ministres de l'extrême droite israélienne, dire que là où nous sommes, il faut même envoyer et lancer une bombe atomique, n'est-ce pas, du côté de Gaza. Et ces gens sont toujours dans le gouvernement. Si on inversait les rôles et que c'était quelqu'un, par exemple un ministre iranien, qui aurait dû dire quelque chose de si grave, vous aurez dû entendre, vous aurez allé siffler pendant très longtemps avec les démonstrations de ces fameux experts dans les médias mainstream que nous avons l'habitude de subir. Donc je crois sincèrement que les États-Unis ne font pas preuve d'honnêteté, ne font pas preuve de justice, et je ne suis pas sûr que ces résolutions iront dans le sens de contribuer à une détente et à une véritable accalmie pouvant amener les différents protagonistes à une véritable table de paix avec pour finalité l'acceptation de deux États. Si c'est ça que Netanyahou veut, mais surtout la protection effectivement des civils et palestiniens, n'est-ce pas, et un ordre international qui sera applicable à l'ensemble des parties en conflit. Mais tel que c'est parti, les États-Unis tentent de calmer un peu leur opinion interne, de donner des gages prétendument d'être des acteurs de paix, mais dans le fond, ils sont comme l'a dit tout à l'heure Christelle, je ne veux pas utiliser l'expression qui ne sied pas sur le plateau, mais vraiment comme l'ongle et le doigt, et ils sont dans cette stratégie israélienne en fond, parce que eux-mêmes, la plupart des dirigeants américains, vous devez le savoir, ils sont soit juifs, soit sionistes dans l'âme. Attendez, parce qu'il y a une différence entre juifs et sionistes. On a le temps d'en débattre un autre jour. Ils sont soit juifs, soit sionistes dans l'âme. Mais la réprobation internationale et le fait que, de plus en plus, les opinions des États qui sont dans le sud global et qui soutiennent la Russie commencent à réécrire, n'est-ce pas, dans leur cœur, tout ce qu'on nous a enseigné et qui aurait été, qui a été subi par le peuple juif en Europe, ils commencent à penser que avec ce que produit Israël sur la base des horreurs qu'ils sont en train de voir au quotidien, peut-être qu'il y a là des exagérations des faits qui ont été commis par les historiens de cette époque-là, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que le peuple qui a subi autant de violences, autant de massacres, puisse avoir, n'est-ce pas, des élites qui reproduisent de manière exagérée, de manière agrandie, avec un grossissement incroyable, les mêmes faits, les mêmes pratiques, avec la même violence que ce même peuple a subi, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Il y a quelque chose qui heurte, évidemment, la conscience de l'humanité et qui ne peut pas prospérer, au contraire, qui transforme cette victoire israélienne de la force en véritable défaite stratégique. Et c'est à ce niveau que nous pensons que, du côté de l'élite palestinienne qui résiste,
il y a une victoire sur eux-mêmes, et cette victoire sur eux-mêmes, c'est tout simplement leur volonté indéniable de résister à l'anéantissement, n'est-ce pas, de leur espace, à l'anéantissement de leur peuple par cette armée israélienne soutenue et éminemment par cette administration Biden qui sera comptable demain, n'est-ce pas, de toutes ces horreurs que nous vivons au quotidien. Une démarche qui manque cruellement de sincérité, André Kistelfanga. Et forcément, on est en droit d'émettre des doutes quant à l'éventuel aboutissement, bien sûr, d'une pareille résolution qui exige du Hamas la libération de tous les otages israéliens avant éventuellement un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Sachant que les positions sont tranchées, c'est-à-dire pour que il y a cessé le feu, il faut la libération. Vous voyez que deux positions... De tous les otages ou détenus. Voilà, deux positions bien distantes qui ne vont pas permettre aux deux parties de s'entendre. Donc, c'est en fait, on va continuer à faire la guerre. On va continuer à bombarder, on va continuer. Et c'est une aussi déclaration politique. Oui. Ils sont en campagne. Les États-Unis sont en campagne. Le camp Biden est en campagne. Donc, d'ici novembre, n'est-ce pas, ils vont aller aux élections. Et tel que c'est parti, l'opinion d'abord nationale, n'est-ce pas, américaine, n'est pas très d'accord avec cette guerre. Parce que quand vous regardez tous ceux qui sont pour du côté de Donald Trump, n'est-ce pas, ils vous disent que maintenant, c'est une guerre inutile. C'est un soutien à Israël inutile. On n'a pas besoin d'apporter tout ce soutien-là à Israël pour écraser le petit Hamas, pour écraser ce petit groupuscule de personnes. Israël a la capacité elle-même de se défendre, s'il faut se défendre. Mais apporter encore des si grands moyens, n'est-ce pas, un très grand soutien américain, alors c'est une faute. Alors qu'il y a des enjeux plus costauds et plus stratégiques, n'est-ce pas, où les États-Unis, n'est-ce pas, doivent s'apprêter. Parce qu'en réalité, quand Macron prend la décision de dire qu'il faut envoyer des soldats, n'est-ce pas, sur le terrain en Ukraine, ça veut dire que les États-Unis sont derrière. Ça veut dire que les États-Unis veulent aussi envoyer des soldats. D'ailleurs, il y a déjà les soldats américains là-bas et français, en fait, de tout ce conglomérat-là, des OTANiens, n'est-ce pas, c'est-à-dire du clan de l'OTAN. Ils sont déjà nombreux là-bas, ils sont déjà même beaucoup morts là-bas. Mais on veut que de manière plus accrue, qu'on y ajoute, n'est-ce pas, de manière officielle, n'est-ce pas, qu'on déclare officiellement, n'est-ce pas, la guerre contre la Russie en envoyant les soldats. Parce que c'est l'objectif de Macron, que ça soit ouvert. Parce que depuis le conflit se passe entre la Russie et l'Ukraine, malgré l'appui, mais on sait que c'est deux États qui sont en train de s'affronter. Oui. Mais maintenant, il faut ouvrir complètement le conflit à tout le bloc otanien. Donc, vous comprenez que dans cette logique-là, il faut véritablement que les États-Unis commencent à se disposer. Et c'est pour ça que vous allez retrouver de l'autre côté le discours, par exemple, des pro-Trump et Trump lui-même qui dit que mais lui va arrêter cette sale guerre. Il va aller aux négociations. Il va permettre que ça soit l'Ukraine et la Russie puissent s'entendre et parler. Alors, donc quand vous avez des choses comme ça, vous commencez à comprendre que le camp Joe Biden, qui sont des pro-guerres, qui sont les industriels des armes, n'est-ce pas, et tout qui financent ce parti-là, qui veulent absolument vendre les armes, en fait, et ils se nourrissent de la guerre. Donc, il faut absolument créer des conflits un peu de partout. Et donc, il faut aller vendre. Donc, vous comprenez que même si des paroles, des propos sortent, même si la résolution est prise au Conseil de sécurité, Israël ne va pas obéir à cette résolution-là. Elle va continuer à faire ce qu'elle a à faire. Mais on se pose également la question, quelle sera l'attitude d'Israël au cas où, parce qu'on préfère se montrer optimiste en se disant la résolution pourrait bel et bien être prise et adoptée du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais sur la faculté ou du moins la capacité d'Israël à pouvoir exécuter de pareilles décisions, on reste tout de même sceptique, patient parfum d'homme. On se souvient des décisions de la CIJ, par exemple, la Cour internationale de justice, qui avait rendu, entre autres, son verdict également, intimant l'ordre à Israël d'arrêter, de cesser ce génocide. Benjamin Netanyahu vous a dit,
moi, je ne vais pas suivre les décisions de la CIG. Là, on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cas où le projet de résolution aboutit, est-ce que vous voyez Israël se plier aux décisions du Conseil de sécurité? De toute façon, ce que nous dit le droit international, c'est que les décisions du Conseil de sécurité sont contraignantes. Oui, elles sont contraignantes. Elles sont contraignantes. Mais même avec des dirigeants comme Benjamin Netanyahou? Mais en principe, cela devait être le cas. Mais maintenant, nous savons très bien qu'il y a un pays dans ce monde qu'on appelle Israël qui est l'exception des exceptions par rapport à toutes les règles et toutes les décisions qui sont prises par qui que ce soit. Mais ce n'est pas à ce niveau surtout que Israël risque de perdre. Risque de perdre parce que si cette décision est prise et qu'elle est acceptée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, ça veut dire que le projet américain a reçu l'aval et l'assentiment des autres membres du Conseil de sécurité. Israël va se mettre dans une position où elle sera, l'État d'Israël sera considéré comme un paria de la communauté internationale. Et cela a des conséquences sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de certains accords. Oui. Et je ne pense pas que ceux qui sont dans l'opposition à Netanyahou à l'intérieur d'Israël sont prêts à payer ce prix-là sur le fallacieux prétexte qu'il faut continuer à avoir cette attitude condescendante. C'est-à-dire assumer ce statut de paria sur le plan international il peine auprès même de déjà, tous les autres pays. Ils peinent même déjà à assumer ce statut-là. Mais le fait que les États-Unis ne lâchent pas encore totalement l'administration de M. Netanyahou, c'est ça qui donne encore du répit à ce pouvoir. Mais je peux vous assurer que sur l'ensemble du Conseil de sécurité tient fermement une résolution condamnant Israël et lui imposant l'arrêt des hostilités. Si Israël s'entête à poursuivre ses hostilités, évidemment, ils ont un parapluie atomique qui n'a pas encore été levé par les États-Unis. Mais, l'État d'Israël sera complètement au banc des accusés. Et il sera considéré comme un paria à la communauté internationale et il y aura des conséquences. Par exemple, il y a des accords économiques, des accords militaires, la libre circulation au niveau des flux internationaux. Ce ne sont pas les États-Unis qui vont jouer les gendarmes sur ces questions-là, mais d'autres pays dans le monde vont se donner un malin plaisir à faire teinter complètement ces casseroles que prend Israël. Et l'image même d'Israël dans le monde, il est déjà bien égratigné, mais là, il va en prendre un violent et sérieux coup, et je ne peux pas penser que cela peut perdurer éternellement. Mais, de toute façon, c'est même pratiquement déjà le cas, que le Conseil de sécurité adopte cette décision ou pas. Est-ce que la conscience humaine, la conscience internationale peut continuer à s'accommoder avec ces images des enfants qui meurent de faim? Parce que il y a un blocus total imposé sur la bande de Gaza. Est-ce que la conscience humaine peut continuer à s'accommoder avec le grainage de ce chapelet de mort au quotidien? Nous sommes presque déjà dans le canal qui va nous mener allègrement vers 50 000 morts. Comment cela va être finalement vu? Et Israël, qui était considéré comme le peuple le plus meurtri de l'humanité pour eux, parce que nous, la question noire, la traite des noirs, ils ne la voient pas comme le véritable drame humain que l'être humain est subi. Mais comment les autres peuples du monde vont continuer à regarder Israël? Est-ce qu'Israël va continuer à garder, n'est-ce pas, sa superbe avec tout ce que nous voyons là? Je crois que de plus en plus, quand je vois, par exemple, des pays comme l'Irlande, condamné fermement, je parle par Chili, des latino-américains, des opinions comme celles par exemple des pays comme l'Allemagne, la Belgique, en France, des gens se lever pour dire que cette affaire-là ce n'est pas du tout normal et cela risque de poser un véritable problème au camp occidental. Ce soutien indéfectible à Israël ne peut pas durer éternellement, surtout que les autres n'ont pas baissé les bras, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Afrique du Sud, et je crois que d'autres pays vont les rejoindre très bientôt dans cette dénonciation-là. Il faut pousser Israël dans cette dernière retranchement et enlever toute velléité d'une quelconque immunité à M. Netanyahou, qui se comporte de plus en plus comme un véritable criminel et qui pense que cette fuite en avant avec cette guerre, n'est-ce pas, qu'il est en train d'imposer aux Palestiniens, va essayer de le dédouaner pour l'instant des véritables problèmes en interne qu'il a en Israël et qui sont sur la table de la justice, en pensant faire prolonger cette guerre indéfiniment. Il pense certainement pouvoir échapper à la prison et à un procès
contre lui pour les faits de détournement, de corruption et tout ce que nous savons. Je ne suis pas sûr que ce prix à payer qui est extrêmement lourd sera accepté et consenti par les opinions et la population israélienne qui, de plus en plus, voit comment elle est en train de dériver à la marge, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Maintenant, je continue de dire, si certains estiment qu'ils sont le peuple élu et qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à Dieu, entre guillemets, bon, cette dérive-là peut se prolonger indéfiniment, mais une fois de plus, Israël qu'on a connu hier et que beaucoup de gens respectaient, Israël dont l'histoire nous était contée, de la Shoah, de ghetto de Varsovie, de tout ce que nous avons connu, de génocide qu'ils ont, qui leur a été imposé par les Occidentaux, cet Israël aujourd'hui, au contraire, quand on regarde le visage de M. Netanyahou, on voit bien que c'est pire que la société des diables, n'est-ce pas, qui est à l'œuvre, et cela n'est pas du tout bon pour le futur des populations juives dans le monde. Vous savez qu'il y a des juifs qui contestent, n'est-ce pas, cette politique de Netanyahou, qui protestent même au quotidien contre l'État d'Israël. Donc, pour cette communauté juive-là, c'est l'anéantissement de leur honneur par le bien de cette barbarie qui ne dit pas son nom, qui continue d'être imposée au peuple palestinien. Merci à vous, patient parfait d'homme. Après plus de 31 000 morts et l'utilisation, bien sûr, du droit de veto à trois reprises, les États-Unis veulent donc désormais, entre autres, participer à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, pour Washington. Il est donc important, visiblement, que les hostilités cessent de ce côté pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Une position désormais qui intervient après, je le rappelais il y a quelques instants seulement, après avoir rejeté des tentatives de ce genre à trois reprises déjà auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la dernière tentative introduite par appelant justement à un cessez-le-feu immédiat à la bande de Gaza, était au mois de février dernier, avec notamment ce projet de résolution qui avait été introduit par un pays africain, en l'occurrence l'Algérie. Bien sûr, parlons de la République démocratique du Congo, qui a boycotté la célébration de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2024, selon bien sûr le porte-parole du gouvernement, on va le dire ainsi, le ministre congolais de la communication Patrick Muyaya. La République démocratique du Congo pourrait donc claquer la porte à l'OIF au regard justement des positions ambiguës de l'organisation sur le conflit qui, ou du moins sur l'insécurité qui sévit particulièrement du côté de l'Est du pays. Il est reproché à l'Organisation internationale de la francophonie d'entretenir justement une position un tout petit peu floue autour de ce que Kinshasa qualifie d'agression rwandaise. Plantons tout d'abord le décor avant de prendre vos avis sur le sujet, mais surtout sur la posture de Kinshasa. La République démocratique du Congo se refuse, en cette année 2024, de célébrer la Journée internationale de la francophonie. Les raisons, le cœur n'est pas à la fête. C'est prononcé le délégué général de la République démocratique du Congo à la francophonie, Nabiala Maumba, dans un communiqué relayé sur le compte X du ministère congolais des Affaires étrangères et de la francophonie, il révèle qu'il n'y aura pas de cérémonie pour célébrer le 20 mars, comme le 20 mars de chaque année, dans le monde, la Journée internationale de la francophonie en raison de l'agression rwandaise via ses supplétifs du M23. Interrogé sur les motivations de cette décision, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, estime que la RDC, au regard de son rôle et son poids, ne se sent pas considérée au sein de cette organisation francophone. « Nous ne nous sentons pas suffisamment considérés parce que nous sommes le premier bassin de la francophonie au monde. En termes de locuteurs, nous venons devant la France. » Nous avons noté qu'il n'y avait pas le soutien qu'il fallait dans cette crise venant de la francophonie, avec des propositions concrètes au-delà des condamnations classiques, a expliqué Patrick Muyaya lors d'un briefing presse mardi 19 mars 2024, dénonçant la confusion existante dans le chef de Luis Mushikiwabo comme secrétaire général de l'OIF, mais aussi comme ancien chef de la diplomatie rwandaise. Pour l'élection de cette année 2024, la journée du 20 mars a été placée sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Elle coïncide avec une période de douleur
pour la RDC en proie aux conséquences dévastatrices de la guerre. En remplacement des célébrations, la délégation générale à la francophonie a organisé des émissions spéciales de télévision sur le thème « La francophonie que nous voulons ». Depuis quelques années, la République démocratique du Congo entretient des relations particulièrement tendues avec la direction de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo, qu'elle accuse de partialité en faveur du Rwanda dans le conflit qui oppose les deux pays. Louise Mushikiwabo était d'ailleurs absente de la capitale congolaise lors des 9e Jeux de la francophonie en 2023. Voilà, messieurs, la République démocratique du Congo qui menace de claquer la porte à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Voici les propos d'André Christel Fanga tenus par le porte-parole du gouvernement congolais, le ministre de la Communication, Patrick Boyaya. Nous avons constaté que la francophonie ne nous soutient pas dans le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Elle ne se prononce pas clairement sur les tueries. Nous sommes touchés par les crimes de l'Est, nous allons évaluer notre appartenance à la francophonie et à l'issue de cette évaluation, des décisions seront prises. L'option de quitter la francophonie pour beaucoup de Congolais n'est pas à exclure. Fin de citation, déclare Patrick Muyaya. Pour la République démocratique du Congo, la francophonie ne la soutient pas assez au regard de son poids au sein même de l'organisation en question. Commentaire, André Christel Fanga. Monsieur Nguéné, c'est hier ou avant-hier ? Avant-hier. Qu'on parlait de ce sujet. Et je vous ai dit que l'Afrique a un problème des 4 F. La France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie. Les 4 F se résument à être la France. Alors, si la France est notre problème, ce cancer qui nous ronge depuis des années, cette sangsue qui suce notre sang jusqu'à presque à ses dernières gouttes, cette France qui tue sans vergogne, qui n'est pas émotive face aux situations désastreuses et scandaleuses qui se produisent dans nos États, alors pourquoi être toujours partenaire de cette France? Pourquoi être allié à ce pays-là? Parce que tous, la francophonie, le franc CFA, franc-maçonnerie, c'est les corollaires, n'est-ce pas, les descendants, comment on appelle ça? Quelque chose qui est sorti de la France. Donc c'est leur projet, c'est leur ambition, c'est leur hégémonie, c'est leur façon de s'installer dans les territoires. Ça veut dire que la position des autorités congolaises est justifiée vis-à-vis de l'OIF. C'est même la meilleure des positions. Moi je pensais même qu'il allait même dire que à partir d'aujourd'hui, la RDC sort de la francophonie. Dit que promettre que ça sera. Parce que c'est une aberration. Il dit évaluer, ils vont évaluer leur appartenance à l'organisation. Et ce n'est qu'au terme de cette appartenance qu'ils verront s'il faudrait rester ou pas. Mais l'option de quitter la francophonie n'est pas à exclure. Les propos de Patrick Boyaya. C'est une aberration. Kigali, le Rwanda a quitté la francophonie. En fait, quand on parle, n'utilise plus la langue française depuis près de 10 ans aujourd'hui. Mais comment est-ce possible un pays qui n'utilise plus la langue française, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une Rwandaise qui est secrétaire générale de l'OIF. Et vous connaissez le conflit, on n'a plus besoin de rappeler aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous voient, n'est-ce pas? Le conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC. Ça veut dire qu'en réalité, la France a pris position pour Kagame, pour le Rwanda et les rebelles du M23. Et donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, la RDC se sente agressée par la francophonie, se sente agressée par
la France. Parce qu'en réalité, si cette organisation était sérieuse, oui. si elle avait pour ambition de fédérer tous ceux qui utilisent, n'est-ce pas, la langue française, alors elle devait entamer des négociations ou bien elle devait être ce pont avancé, n'est-ce pas, qui devait permettre que le Rwanda et la RDC puissent s'asseoir sur une table de négociation. Ouais. Mais on a vu plutôt Madame Kouchouabo, c'est bon, quelque chose comme ça, ne pas venir au jeu de la francophonie. Un événement de... C'est l'un des événements de grande envergure. Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo. Ne pas venir au jeu de la francophonie qui ont été organisés à grande pompe à Kinshasa. Alors, quel était le justif de cette absence quand la personne qui représente l'institution partout dans le monde n'est pas présente à l'un des jeux les plus importants de cette organisation? Donc, vous comprenez que, et comme l'a rappelé, n'est-ce pas, dans votre reportage, cette dame était ministre... Rwandaise des Affaires étrangères. Rwandaise des Affaires étrangères. Donc, elle connaît les problèmes diplomatiques, oui. n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que les enjeux sont plus grands que ça. Et bon, d'accord, on suit, on dit, bon, OK, le porte-parole a dit, ils vont analyser, n'est-ce pas, voir... l'apport, n'est-ce pas, de l'OIF dans leur pays avant de prendre une décision. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des organisations à bannir de nos États. C'est des organisations à ne plus exister, qu'on ne doit plus adhérer. Comment l'OIF marche quand la CAC ne marche pas? Comment l'OIF marche quand la CEMAC ne marche pas? Comment l'OIF marche quand la CDAO ne marche pas? Comment plein d'institutions, n'est-ce pas, qui sont là dans la zone francophone, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas normalement? Comment le G5 Sahel est mort alors que l'OIF fonctionne très bien? Vous comprenez que là maintenant, on est dans on approvisionne, n'est-ce pas, des organisations pour davantage imposer l'hégémonie française, mais on préfère tuer, n'est-ce pas, des organisations locales pour ne pas qu'elles puissent avoir l'envergure qu'il faut. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces contributions qui sont données par les pays francophones africains, n'est-ce pas, au niveau de l'OIF, qui mettent cet argent-là dans les organisations comme la CEAC, comme la CEMAC et comme la CDAO, ou bien, bon, si la CDAO existe encore, ou bien dans l'AES, qui mettent de l'argent là-bas, pour qu'elle puisse davantage se renforcer. C'est pour dire simplement qu'on a besoin de se renfermer d'abord, avant maintenant de s'ouvrir aux autres demain, quand on sera déjà fort. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à négocier. Si possible, on doit continuer à être dans des organisations comme l'OIF. Merci à vous. Patient Parfum Dom, la trouvez-vous également justifiée, cette sortie du gouvernement congolais? Le porte-parole représente bel et bien le gouvernement tout entier, la République démocratique du Congo, qui menace de quitter l'OIF parce qu'elle estime qu'elle ne se sent pas suffisamment soutenue dans le conflit qui l'oppose aujourd'hui au Rwanda concernant justement les incursions du M23 à l'est du pays. L'inertie de l'OIF qui est clairement évoquée par la partie congolaise pour justifier sa position. Est-ce que vous comprenez cette décision? Écoutez, j'ai un avis plus ou moins partagé par rapport à cette décision parce que, bon, dans le fond, le Congo est le pays bantou le plus peuplé du monde. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de les locuteurs les plus importants même de cette francophonie en question. La question que nous avons abordée dernièrement sur le plateau, j'ai énoncé la question du génocide de nos langues par l'adoption de langues coloniales que sont l'anglais et le français, surtout pour nos Africains. Bon, on peut aussi l'élargir aux lusophones, aux hispanisants. Cette question, je pense qu'un pays comme le Congo devait être la tête
de ce combat pour redonner du poids, pour redonner le droit de blason de nos langues et en faire de véritables langues de communication. Oui. Au Congo, nous avons deux grandes langues. Nous avons le Lingala et nous avons le Swahili, dans la partie est et pratiquement sud. Mais si le Congo nous avait dit, dans le cadre d'une véritable politique, n'est-ce pas, d'une refondation culturelle, mettant au centre la promotion des langues bantoues, dont l'une de ces deux grandes langues que j'ai citées, que c'est la raison pour laquelle elle décide de sortir de la francophonie, oui. J'aurais trouvé un peu plus pertinent cette posture-là. Mais le Congo nous dit, je sors de la francophonie parce que je n'ai pas été assez soutenu par cette organisation face au conflit qui me pose au Rwanda. Oui. Pour vous, ce n'est pas un motif qui... C'est extrêmement valable. Léger du point de vue, j'allais dire, stratégique. Pourquoi? C'est-à-dire que soit on inverse, si maintenant la francophonie prend la décision de dire... nous d'accord, on vous soutient. On soutient. Donc pour le Congo, c'est normal de rester dans la francophonie. Vous voyez comment c'est un peu plus complexe, j'allais dire même biaisé. Donc pour moi, le Congo est dans une attitude d'une diplomatie active pour s'attirer le maximum de soutien dans la confrontation, entre guillemets, qu'elle a vis-à-vis du Rwanda. Mais elle ne pose pas le problème de fond de la réappropriation de notre culture et de notre richesse culturelle qui passe aussi par le biais de la promotion et de la mise en valeur de nos langues. Donc j'ai dit, j'insiste que je suis légèrement déçu par cette attitude, parce que Mme Luce Mushikiwabo, comme l'avait bien souligné, était ministre rwandaise des Affaires étrangères, et là, la France, en essayant de l'attirer comme responsable de la francophonie, c'était une manière de ne pas de pousser le Rwanda, de ne pas couper complètement les liens avec cette francophonie, d'autant plus que le Rwanda a décidé de faire l'anglais sa première langue de travail. Et je crois que sa première langue officielle, sa langue officielle, aux côtés des Kirwandais, quelque chose comme ça. Alors, donc, une fois de plus, nous sommes dans une politique politicienne. Ce sont des coups de tête momentanés d'un gouvernement qui estime qu'une organisation dans laquelle elle appartient ne fait pas, n'a pas assez d'égards et ne lui apporte pas le soutien qu'il souhaiterait dans la confrontation qu'ils ont vis-à-vis d'un autre pays africain. Ça peut être validé par ceux qui estiment que c'est valable, mais moi je ne suis pas à ce niveau. Je pense que le Congo aujourd'hui, comme je le dis, je le répète, il n'y aura pas de libération de l'Afrique s'il n'y a pas de libération du Congo. Et cette libération passe par la libération d'un certain nombre de piliers qui sont encore de l'ordre de valeurs coloniales. Et parmi ces piliers-là, il y a la question de cette langue qui continue de tuer nos propres langues, de les assassiner. C'est un véritable génocide, excusez-moi, et qui contribue justement à rendre pratiquement, et c'est vous d'ailleurs qui avez posé la question, savoir que ferons-nous des acquis de ces langues-là dans notre vécu au quotidien. Et on donnait l'impression qu'en adoptant des langues africaines, on se mettait peut-être en déphasage avec une quelconque modernité. J'ai dit non. Les dirigeants congolais doivent prendre à bras le corps ce travail-là. Et vous imaginez pas, le Congo, c'est presque 100 millions d'habitants. Si vous avez 100 millions de personnes qui parlent une langue qui est devenue une langue officielle, une langue importante, ça va irradier complètement sur l'ensemble de la sous-région Afrique centrale au minimum. Et je peux vous dire que ça va créer les conditions vers l'adoption de cette langue-là comme la langue officielle de l'ensemble des pays d'Afrique centrale. Et là, nous avons deux grandes langues au Congo, je sors par là, il y a le Lingala et il y a le Kiswahili. C'est aux Congolais, n'est-ce pas, de nous montrer le chemin en décidant justement que leur présence ne peut plus trouver sa place au niveau de la francophonie, parce que cette francophonie, évidemment, retarde l'échéance de la valorisation de nos langues et de nous permettre, enfin, de compter sur l'échiquier mondial comme des gens qui sont vraiment décidés
à aller vers la résolution de ce contentieux historique dont je parle tant et dont la domestication de nos esprits et surtout de nos mots de pensée par la langue des colonisateurs continue d'être aujourd'hui un véritable goulot, n'est-ce pas, dans le véritable chaîne qui nous empêche d'aller à pas de géant de manière qualitative vers notre libération totale. André Kessel Fangam, est-ce que vous avez l'impression que les questions de fond sont clairement posées par Kinshasa? Est-ce que vous ne dédouanez pas un peu trop les autorités congolaises quand on essaie de tout mettre aujourd'hui sur le dos de cette francophonie, alors qu'on a l'impression que justement les autorités en place ne touchent pas du doigt les questions de fond autour même de cette institution? Alors, je pense que il y a un problème avec les politiciens, en fait ceux qui gouvernent actuellement le Congo, la RDC. Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et peu de réactions concrètes. Et ça m'a fait plaisir l'intervention de Parfait tout à l'heure, du doyen. Il dit, si la RDC avait dit, ok, on quitte ou bien on a envie de quitter l'OIF, oui, parce que nos langues sont galvaudées, nos langues sont réduites en patois. Vous voyez la différence, non? Entre le patois et une langue. Donc, parce que aujourd'hui, si les vrais problèmes sont abordés, vous verrez qu'il y aura l'adhésion, il y aura l'accompagnement. Mais on essaye de trouver un langage, n'est-ce pas, qui va faire perdurer en fait cette incompétence politique de prendre des bonnes décisions, de prendre des bonnes résolutions. Et on va justifier ça sur le que non, on est agressé par le Rwanda, on est agressé par le M23, Kagame a fait ceci, Kagame est monté, Kagame est descendu. C'est pourquoi vous soutenez que nous sommes dans les effets d'annonce? Mais bien sûr, c'est pour ça que je ne fais que dire que nous sommes dans les effets d'annonce, nous sommes dans les effets de gain de temps, n'est-ce pas? Comme les États-Unis, on gagne un peu de temps en annonçant ceci, on gagne un peu de temps en disant ceci, on gagne l'opinion publique, n'est-ce pas, congolais, en disant que, ok, à la moindre escarmouche, alors je demanderai au Parlement, jusqu'à présent, on attend toujours que M. Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, aille au Parlement demander, n'est-ce pas, une résolution pour attaquer le Rwanda. Il était revenu sur sa position. Juste après avoir été élu, il est revenu sur sa position. C'est pour ça que je dis qu'on n'est plus sur les effets d'annonce des autorités, n'est-ce pas, congolaises. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux et il faut pousser maintenant. Et je pense qu'il faut plus parler maintenant au peuple et non aux dirigeants. Parce que nous avons des dirigeants qui sont encore cadenassés par les 4 F. Vous comprenez un peu. Quand vous avez des dirigeants qui sont cadenassés par les 4 F, c'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie, alors vous ne pouvez pas voir un dirigeant qui pourra prendre une décision. Il faudra la révolution des peuples. Quand même, je voudrais parler au peuple congolais que non, arrêtez de danser. Arrêtez de jouer au beau, au galant. N'est-ce pas? Il y a des problèmes plus graves dans votre pays. Je pense que si, de manière culturelle, tous ces grands artistes que nous connaissons du Congo décident, n'est-ce pas, de se focaliser sur le problème de sécurité du Congo. Que leur message, n'est-ce pas, partout où ils passent, n'est-ce pas, c'est qu'il faut arrêter la guerre, n'est-ce pas. Ça aurait un impact, n'est-ce pas. Mais comme on est plus concentré ailleurs, on est dans la distraction, on est dans les discours, on est sans résolution véritable, alors on ne peut pas véritablement trouver de solution, on ne peut pas véritablement poser les vrais problèmes de fond. Les vrais problèmes de fond sont là. S'il faut que le Congo, qui est un géant, je dis bien un géant en Afrique, en termes de territoire, en termes de population, en termes de richesse, je vous ai toujours dit sur votre plateau ici, s'il y a eu conférence de Berlin, c'est d'abord premièrement à cause du Congo. Oui, parce que c'est le Congo d'abord qu'il fallait diviser. Et les États-Unis, la Belgique, la France, et l'Angleterre et les États, chacun s'est pris une part du Congo d'abord.
avant maintenant de commencer à voir le reste de l'Afrique, comment ils vont se partager. Parce que sachant que le Congo est un poumon, n'est-ce pas, est un poids hyper important pour le monde entier, alors il faut cadenasser ce pays-là. Et c'est pour ça qu'il faut réveiller cette population-là. C'est pour ça qu'on n'a pas tué Lumumba comme les autres, hein. Je dis bien, on n'a pas tué Lumumba comme les autres. On l'a d'abord tué. On a encore tué le cadavre. On a dit que même le cadavre là ne mérite pas. On a découpé le cadavre. On a dit que non, même le découpage du cadavre là ne suffit pas. On l'a mis dans l'acide. Jusqu'à ce que la seule chose qui a pu résister, c'est une dent. Que le prince ou bien c'est le roi belge est venu présenter aux Congolais ou bien venu remettre aux Congolais. Donc vous imaginez que si Lumumba avait réussi son combat, le Congo et l'Afrique ne seraient pas là aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut réveiller la mémoire des Congolais. Bon, vous savez, l'une des stratégies de l'Occident, c'est justement de créer des gadgets politiques qui vont nous permettre de nous concentrer sur ça et nous mettre là, on va danser, on va rigoler, on va faire la fête. Parce que les Africains aiment bien la fête. On va faire la fête, on va vous filmer, on va vous mettre au sommet du monde, au sommet de l'art, mais en oubliant que le pillage, ce qui est en train de construire le monde aujourd'hui, la plupart vient du Congo. Ce qui construit l'industrie, n'est-ce pas, technologique et tout le reste, vient du Congo. Vous imaginez si un seul instant, tout s'arrête, le Congo dit, bon, ça s'arrête. Je dis seulement, 5 millions de Congolais descendent seulement à l'espace où il y a la guerre là. Ils disent, bon, venez nous tuer, allons-nous tous comme nous sommes là. 5 millions. Ça ne s'arrête pas en un jour. Si ce peuple congolais vraiment décidé de vouloir arrêter la guerre, je pense que ça ne sert à rien d'utiliser les slogans, d'utiliser des propos, mais il faut passer à l'action. L'Afrique, elle, à l'heure de l'action. Ce n'est plus les discours. On en a marre des discours aujourd'hui. Nous avons déjà fait le travail qu'il faut, c'est-à-dire de présenter la vérité au monde entier. Que voici la voyoucratie du monde, n'est-ce pas, c'est-à-dire des États-Unis, France et tout le reste là. C'est pour qu'il n'y ait jamais la paix en RDC. Parce qu'il faut continuer à piller ce pays-là. Parce que s'ils payent véritablement les ressources qui viennent de ce pays-là, leur industrie va baisser. Il y aura la chute. Et le Congo va se relever. Les États pauvres dont nous parlons ne vont plus exister en Afrique. Parce que c'est quand même aberrant qu'on soit des États hyper riches et qu'on soit si pauvres. Comment résoudre la situation aujourd'hui, patient parfait d'homme? Nous n'avons pas à la tête des dirigeants qui saisissent les véritables enjeux autour de cette question culturelle aujourd'hui. Est-ce comme à l'image de ce qui est fait ailleurs, il ne faudrait pas que le peuple joue sa partition clairement du côté de la République démocratique du Congo? La fille de l'ancien président angolais Dos Santos, qui était l'un des premiers, ou bien peut-être le tout premier, le plus puissant collecteur d'art africain au monde. Elle a été éliminée de manière bizarre, soit disant que c'était une plongée sous-marine qui avait mal tourné, mais on sait pertinemment qu'elle avait été éliminée. Alors, regardez seulement l'art congolais. Prenons seulement le cas de l'art congolais à lui tout seul. Si, au-delà des langues, on en fait la promotion et il n'y a que des langues, nos langues africaines, pour mieux expliquer, n'est-ce pas, ces œuvres d'art-là, vous vous imaginez ce que c'est? Quand vous expliquez une œuvre d'art, par exemple, des Mabéa, n'est-ce pas, qui sont sur la route entre Eder et Kribi en français, ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas le même pouvoir, ça n'a pas le même attrait, n'est-ce pas, d'attraction et de volonté de comprendre de quoi il s'agit quand vous le faites en français. Parce qu'il y a des mots, il y a des expressions, il y a des rituels symboliques qu'on ne peut pas faire dans la langue d'autrui. C'est pas possible. Donc, quand nous disons, le gouvernement congolais met sur la table cette menace et qu'elle la rime au fait qu'elle est en conflit avec le Rwanda et que cette institution prétendument faite pour être une institution de partage des gens qui ont en commun la langue française, je dis, bon,
je les comprends, mais j'estime qu'ils n'ont pas tenu le bon bout de cette question-là. S'ils nous avaient dit qu'ils ont une philosophie, ils ont le nouveau pouvoir congolais, le nouveau régime de M. Tshisekedi a décidé de se lancer dans la reconquête de certains pans de la souveraineté qui nous ont été masculés, oui, le cas de nos langues, et que c'est dans cette optique-là. La démarche aurait été pertinente. Plus que pertinente. Plus que pertinente. Tout le monde aurait adhéré. Sans qu'on continue, on commence à réfléchir pourquoi si, pourquoi ça et pourquoi cela. Et la question comme ça de Luis Mouchikouabo à la tête de l'OIF serait un épiphénomène qui n'intéresserait même personne à la limite. Et je pense que cela fait partie aussi des questions de résolution de ce conflit. Parce que c'est seulement comme ça, progressivement, que nous serons capables de dire « Ok, c'est en Afrique, c'est avec les outils africains dans nos langues, c'est avec la stratégie africaine, c'est avec la culture africaine, c'est avec le mode de résolution, n'est-ce pas, millénaire africaine que nous allons essayer de régler ce problème. » Moi, mon vœu, c'est que ce qui est devenu comme une difficulté pour nous aujourd'hui, il faut faire un peu comme les judokas japonais, j'ai un peu fait le judo dans ma jeunesse, c'est que ce qui est considéré comme ta faiblesse, il faut la transformer en force. Et la meilleure manière pour l'Afrique de transformer ce qui est considéré comme une faiblesse aujourd'hui, c'est-à-dire que cette confrontation qui crée, n'est-ce pas, ce chaos au niveau de l'Est République du Congo, il faut que nous la transformions en force en organisant un mode de résolution qui ne va exclure personne et qui va plutôt nous permettre de faire de cet espace-là un pôle dynamique, un pôle de savoir, un pôle de développement partagé, dont j'allais dire le butin sera partagé par tous les peuples et toutes les populations de cette sous-région-là. Et pour mieux le faire, je pense que le Congo doit s'inscrire de manière résolue, parce que je continue de dire, ils ont une responsabilité énorme en tant que première puissance bantoue du monde, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités, les devants, en essayant d'aller à la reconquête d'une certaine indépendance, n'est-ce pas, sur le plan de la culture, et qui parle culture, parle seulement et le vecteur culturel le plus important, c'est aussi la langue, il ne faut pas l'oublier. Et quand je parle la langue, ce n'est pas parce que seulement il faut qu'on parle la langue aussi comme moyen d'expression de notre génie scientifique au sens large du thème. Donc à partir de ce moment-là, vous verrez que le Congo va présenter notre visage, et je suis convaincu que d'autres regards et d'autres apports, n'est-ce pas, de l'ensemble du reste des Bantous qui sont hors du Congo, et vont être un moment de pression pour que justement les affres que nous vivons au quotidien dans cette guerre-là qui n'a aucun sens puissent arrêter très rapidement et permettre justement aux Congolais et aux Rwandais d'aller vers des modus vivendi qui seront profitables non seulement à ces deux États et aux peuples qui les composent, mais surtout à l'ensemble des pays africains, parce que chaque fois qu'un foyer de conflit est éteint, c'est l'Afrique qui gagne et c'est l'Afrique qui continue de tirer vers le haut et d'aller de l'avant. Merci à vos patients. Parfait, Ndoma. Merci également à vous, André-Christelle Fanga. Nous sommes arrivés au terme de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais sur la 96.3 FM, ceux-là qui nous suivent également sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. C'était tout pour cette livraison de la journée du Point sur l'actualité, édition du 21 mars 2024.